Et salut les amis et pirates de toutes les mers, c'est Kevin Unvers et on se retrouve enfin pour l'épisode 9 de One Piece Kaizoku Musou 2. On allait affronter l'armada de Barbe Blanche. C'est parti les amis, on est reparti pour un tour. Toujours avec Luffy. Alors je vous réserverai certaines petites surprises par la suite. Donc, les équipages de Barbe Blanche qui contrôlaient le Nouveau Monde dirigeaient différents clans de pirates et disposaient d'un si grand pouvoir qu'il déterminait lui-même l'équilibre des puissances mondiales. Luffy, ayant retrouvé deux membres d'équipage, suivit les conseils de son frère Ace et rencontra Edward Newgate, Barbe Blanche, pour la première fois. Mais, oulala. Ce chapeau de paille, il ressemble beaucoup à celui que portait le roux. Tu connais Shanks? C'est de lui que je tiens ce chapeau. Tiens, si c'est pas le petit frère d'Ace, magnifique. Alors tu veux devenir le seigneur des pirates, hein? Ouais, t'as entendu parler de moi alors? Je suppose que c'est aussi ce que tu veux, non? Dommage, je serai le seigneur des pirates. Tu es bien sûr de toi. Tu penses que tu peux devenir le seigneur des pirates? Tu crois pouvoir me surpasser? Ben oui! Bien sûr, hors de question que je perde contre toi. Quelle grande bouche pour un morveux comme toi. Voyons, et si on te mettait à l'épreuve? Épreuve? Voyons, si tu as plus que seulement de la gueule. Tais-toi, je passerai ton test si c'est ce que tu veux. Attends un peu, je vais te montrer. Qu'est-ce que tu prépares, père? Très bien, voyons ce que vous savez faire, les gamins. Les rires de One Piece sont vraiment épiques, les amis. Donc alors comme je vous ai dit, dans les prochaines vidéos de One Piece Pirate Warrior 2, je vous préparerai aussi des petites surprises. Donc oui, j'ai changé de partenaire, maintenant j'ai Brook. Parce que je joue beaucoup hors vidéo, ça va de soi. Je crois que j'ai accumulé plus de 78 heures de jeu, si pas plus. Je suis devenu accro à ce jeu. Et c'est parti! Tu me fais rire, tu es tellement préoccupé par toi-même que tu n'as pas vu ce qui se passait autour de toi. Chapeau de paille, espèce d'idiot, tu veux mourir ou quoi? Je suppose que je vais devoir venir t'aider. Pas besoin, pas de soucis. Le commandant s'occupe des alliés étant à la ligne de front. Barbe Blanche et ses alliés ont vraiment de la marge. Marge Simpson! Oh, la blague de merde! Alors, dirige-toi vers Barbe Blanche. Et il est où le vieux? Ah bah il est là, c'est ouvert? Nickel! Ah, ça vient de s'ouvrir. Et voilà Marco le Phénix, les amis, qui atteint un pouvoir Zoan mythique. Il peut se régénérer de n'importe quoi, voler, c'est génial. Donc on peut le voir voler là, hop. Père, recule, nous ne sommes plus cassés pour vaincre ces mecs-là. Qu'est-ce que tu crois, hein? Bam, dégage. «
Et hop! Au suivant de ces messieurs. Je vais vous dégager, toi et le vieux. Il est suicidaire, le pauvre. Et normalement, sur la map, il devrait également y avoir, oui, Diamond Jaws. Fruit du diamant de type Logia, les amis. Un fruit qui est intéressant aussi, vous imaginez quelqu'un qui a la consistance du diamant. Déjà avec le gabarit qui se paye. Hop, sans la rater la pièce. Allez, deux. Ah, la pièce que je voulais. Ah, les petits territoires. Ah non, le v'là. Bon, maintenant vous avez compris, notre ami Hayes est de la partie. Et il va envoyer du lourd. Donc on va devoir passer par là. Direction le frangin. Hop là. Alors, il est où, lui? Il est là-bas. Dégagé! Et voilà, Ace. Alors, ça va de soi, les heures où je suis hors vidéo, je suis en train de tester tous les personnages. Ah tiens, on l'a déjà eu. Bravo. Bon, on va en profiter, on va piquer le territoire. Terrasse Marco, encore. Ah oui, maintenant il y a Vista qui va être de la partie aussi. Voilà, ça c'est nickel. Il est où l'autre? Alors, Jaws, il est là. On va prendre un petit territoire ou deux, les amis. Et bye bye! Terrasse Vista, oui, Terrasse Jaws, Terrasse Vista. Oh, encore un autre gars puissant, ça ne finit jamais, mais je ne perdrai pas. L'éternelle confiance de Luffy. Si je me souviens bien, c'est ce que Zef a dit dans le baratier. Rien n'est plus dangereux que quelqu'un qui ne doute pas. Garp l'a dit aussi sur Z. Ah, mais ils sont chiants. Ah bah attendez, on a encore un peu de temps. Voilà, le chef. Dégage. Ils sont attaqués de tous les côtés, mais c'est pas possible ces gens. Voilà, une petite base à nous. Oh, ça va être violent. Oups. 104 KO, les amis. Ah, Jaws, j'avais pas vu. On aligne et on dégomme. Nickel. Voyez où Smoker, il est là.
Bon, ils peuvent se démerder un peu avec Joss, nous on va aller l'aider. Parce qu'il faut pas perdre de monde. Surtout pas Smoker. Ah mais oui, mais il est en plein territoire. Et ni l'imbécile. Il est trop téméraire ce type, c'est pas possible. Mais en plus contre Vista. Allez. Allez, dégagez. Et Brooke, il est où? Il est juste en bas. Oui, j'arrive. Quand je vous dis, il faut vraiment être partout là-dedans. Allez, Brooke, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Il se bat contre qui? Quant à commandant de pirate, bon, il peut peut-être l'avoir avant que j'arrive. Bon, on a déjà pogné quelques territoires. C'est par là, c'est par là, c'est par là. Ouais, faut jamais se gourer de chemin, les amis, parce que sinon, vous êtes pas dans la merde. Alors, petit truc sympa que j'ai débloqué aussi. Brooke, il est où? Nickel. C'est le fait de pouvoir changer la musique à tout bout de champ. Alors, moi, je vais mettre ce qu'elle est. Voilà, celle-là, elle est marrante, moi, j'aime bien. Ouais, parce que j'ai débloqué vraiment toutes les musiques. Alors, on va prendre le territoire, il y aura déjà moins d'ennemis. Encore Brooke? Mais t'es chiant! T'es chiant! Ah oui, mais Ace! Bon, bah désolé mon frangin! Mais je dois t'exploser la face! Bah c'est bien Jinbe, protège la base jusqu'à la fin! Suivant. Et un petit territoire en plus qui va nous appartenir, les amis. Oh, une petite base. Bye bye la base. Et Vista le retour. Ah, il a été pris dedans le con. Et je te finis en beauté. Dégage. Et c'est ça l'armada de Barbe Blanche. Alors, et Marco, il est où en plus? Bah, il est toujours protégé. Bon, on va aller foutre un peu le boxon, de toute façon. On n'a pas d'autre chose à faire pour le moment. Alors, Joss qui est dans les parages. Allez, bougez! Toi aussi!
Alors, qui c'est qui reste encore? Normalement, on devrait bientôt ouvrir les portes de la base. Alors, qui c'est qui reste dans la pauvre petite armée? Bah, Marco, mais bon. Retraite. Nice. Dégagez de là. Petite base, tranquille. Boum! Ah, c'est un total! 10 000 berries et une pièce. Hop! Allez, wesh! Ah! Tu sais ce que j'en fais de tes renforts ennemis? Je les bouffe tous les jours au petit-déj, moi, tes renforts ennemis. Hop! Suivant! Et c'est sur cette bataille plus qu'explosive que nous allons terminer cet épisode 9, les amis. Alors, dans le prochain épisode de One Piece, la défaite de l'Alliance... La défaite des pirates de Barbe Blanche. Alliance. Shirohige Mugiwara. Le roi des pirates, ce sera moi. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un j'aime. Partager ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Mettre des commentaires. Qui est votre personnage de One Piece favori? Parce que je vous ferai bientôt des petits épisodes spéciaux. Je ne vous dis pas encore quoi. Ce sera sur la chaîne très prochainement. Mais pour ça, il faut bien sûr que je mette tous les personnages au niveau 50. De toute façon, vous verrez pourquoi par après. Donc, on se retrouve bientôt pour l'épisode 10. C'était Kevin Unversed. Et moi, je vous dis... ciao les gens, à bientôt.